Salut tout le monde, c'était TetaSacotien et je vous présente une nouvelle vidéo pour comment utiliser le logiciel YouTube Downloader Pro que je vous avais montré dans l'ancienne vidéo, que je vous avais montré comment télécharger exactement. Comme je vous avais dit, c'est un très bon logiciel. Ah oui, je vous mettrai le lien de la vidéo comment le télécharger dans la description. Parce que si vous l'avez pas, je vous conseille de l'avoir. Donc, je l'ouvre. Donc admettons que vous voulez prendre une vidéo sur YouTube. Donc, Google Chrome, YouTube. Je prends n'importe laquelle, tiens, c'est là que je vais regarder après. Donc une vidéo de Monsieur le Bugat, qui est un très bon youtubeur. Je colle. Bon normalement je crois qu'il le met, mais bon, c'est jamais bon. Paste. Vous faites de Motility Best Available. Alors là, le format, vous pouvez vraiment tous les formats que vous avez. Donc, admettons, vous voulez, si vous avez un iPhone par exemple, vous allez là-dedans, vous prenez le format que vous voulez. Donc, moi j'ai pas d'iPhone, du coup je peux vous conseiller. Pour la PSP, ça marche aussi bien pour la PS Vita. Moi pour ma PS Vita, je prends comme ça. Et ça marche très bien. Pour Xbox, je sais pas trop à quoi ça sert. Parce que moi c'est vrai que je ne pars pas de film sur ma Xbox. Mais ça doit servir. Bon Zoom, ça doit vraiment pas beaucoup servir. Wii en DS, jamais fait. PS3, comme je vous avais dit sur la vidéo de présentation, je suis pas un trop gros gamer, mais moi je prendrais celle-là, selon moi. Ça je sais pas ce que c'est. Ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est pour admettons les BlackBerry et tout. Donc ça c'est bien, admettons que je sais pas, quand vous allez au collège dans le bus et tout. Bon moi perso je vais pas en bus, mais je pense à des amis à moi. Donc iPod, ça peut être bien aussi, c'est comme un MP4. Du coup ça peut toujours être bien. Bon iPad c'est une tablette. HD vidéo, ça c'est ce qui sert le plus, c'est pour admettons télécharger pour l'ordinateur. Ou c'est comme dans General Audio. Hein. Après dans General Video. Dans General Audio. Vous avez tous les formats. Personnellement je vous conseille le point MP3, c'est le plus courant, il passe partout. Et sinon j'ai fini là-dessus, donc admettons vous prenez je vais la convertir en AVI. Hop, après vous soit vous choisissez selon votre connexion, moi je mets LB même si j'ai une connexion lui on va dire. Donc ensuite vous faites télécharger, je le fais même si on fiche un petit peu. Donc voilà, après là vous avez le temps ici. Là vous avez le statut, vous avez le nombre de pourcents. Bon moi ça va être long. Comme je vous ai dit, j'ai une connexion merdique. Admettons que vous voulez convertir une vidéo. Donc vous allez chercher votre vidéo. Je sais pas ce que je vais prendre. Clip vidéo. Musique, bon, c'est tout. Admettons, je prends quoi de neuf, plus il me la faut. Donc, hop, le loup. Je la convertis. Donc, alors, moi, je vais prendre MP3. MP3, voilà. Conversion, pareil, c'est mieux. Bon, ça, je pense que ça va pas trop servir. C'est pour le volume, mais je pense que si on met plus fort, la qualité est moins bonne. Ensuite, vous cliquez ici. Donc ça l'a converti, bon là ça va aller vite, hein. Ça va aller 12 secondes. Donc en MP3 c'est ce qui est bien, c'est que ça va très très vite. Ensuite, vous pouvez aller chercher les URL depuis ici. Je sais pas ce que c'est, je suis pas très très fort en anglais. Bon ça c'est pour, ça c'est, si vous voulez mettre, attendez. Là c'est pour aussi, pour aller chercher une URL. Ça c'est pour la lancer, si admettons vous avez mis pause, ça c'est pour mettre pause, ça c'est pour carrément l'arrêter, ça c'est pour je crois la supprimer, ça c'est pour ouvrir un dossier, et ça c'est pour la mettre en route avec je ne sais quel logiciel par contre. Je regarderai tout ça. Langage. Ah il y a peut-être français. Non il n'y a pas français. Il y a Deutsch, japonais, chinois, je sais pas. Skin, il n'y a pas grand chose. Préférence. C'est encore du... Ah oui, ça peut servir ça.
Pour admettons, pour que ça aille plus vite, si vous convertissez tout le temps en MP4, ben vous mettez MP4 et tout. Pour moi, je peux encore faire, voilà. Vous mettez toutes vos préférences. Là, bah, comme vous avez dit, pour se registrer, pour se loguer, voilà. Bah, ça c'est pour l'acheter, mais bon, je pense, si j'ai fait un tutoriel pour le craquer, c'est pour l'acheter. Et dites, je pense que c'est, ah oui, ça je pense que c'est pour tout supprimer. Ça. Et, je pense que ça va être tout pour ce logiciel. On voyait, c'est très bien. Mais je me demande si on peut télécharger que avec YouTube. Ça, je vérifierai. Donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, et puis bah, ciao tout le monde.